qu'est-ce qui se passe concrètement? Personne ne veut dire, tu vois. Mm-hmm. Personne ne veut dire réellement ce qui s'est passé. On se bloque à ce que nous, avec nos filles, comme le YouTube, mais c'était pas encore au niveau de nous. Nous sommes partis chez un Gabonais, ils ont vu. Maintenant, elle avait 21 heures, elle n'a pas su charger son téléphone. On croyait que lui, elle était sous tout et tout, elle est partie. Alors là, elle s'est mise à courir, elle a escaladé. Là maintenant, étant novice, nous avons... Je crois que c'est à 9h que les choses vont vraiment s'ouvrir. Mais nous voyons les étudiants sortis, ça veut dire que tout est déjà opérationnel. On n'a pas trouvé le bon angle pour entrer. Nous avons été attirés par ici, à cause de l'emblème là devant nous, de ce qui est écrit en blanc là, Karabouk Université. Karabouk Université. Donc en réalité... En réalité, chérie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher à se rapprocher vers la cantine ou un café. Là, on va trouver maman, on va s'asseoir. En attendant que les élèves arrivent. Justement. Exactement. Exactly. Restez scotché. À tout à l'heure. Tu penses qu'on va rentrer de quel côté, Chouin? Nous sommes tous de nouveau. Merhaba. Merhaba. Il nous laisse. Le train biche sur Billy, tu check Billy aussi. Di Gabon Lubi, Chris Orendi, Bouda Elmuch, Dudinus Majba. Çünkü haberde kamera içine koşuyor, kimden kaçıyor belli değil. Ama fikriniz var mı acaba? Çünkü yurt dışına böyle diyor, böyle diyor. Bilmiyorum. Siz buralı değil misiniz? Değiliz. Yani burada okumuyor musunuz? Biz bilmiyoruz. Öyle mi? Evet. Tamam da o zaman. Kantin nerede? İçinde mi? Kantin değil ama burada çalışmıyor. Burada öğrenci olmadığı için. Ha öyle mi? Evet. Tamam teşekkürler. Que il y a la cantine mais ça ne travaille pas. Ah la famille finalement personne ne connaît rien. Donc on va s'abstenir maintenant de se rapprocher vers les étudiants à peau blanche. On va faire un effort de se rapprocher vers les étudiants de peau noire. Parce que je crois que là, hein, ça commence à faire genre personne ne connaît rien. C'est bizarre quand même, non? C'est bizarre, non? En tout cas, quand une enfant a été retrouvée, soit assassinée, soit morte, là c'est la question qu'il faut absolument poser. On va chercher à se renseigner. Là, on prend le renseignement. On prend le renseignement. Tu connais qui est sur la statue ici? C'est oui, le président Atatürk. N'est-ce pas? Apparemment, l'université de Karabouk a été créée en 2007. Uh-huh. Oh là là! Donc, c'est une ancienne université, regardez! Depuis 2007. Oh là 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 là! Chérie, tu constates quoi là-bas en face? C'est quoi là-bas? C'est une caméra de surveillance. Et là à l'angle, là dans l'autre angle. Et des caméras de surveillance. Donc, c'est un système de sécurité. C'est le cas en Turquie partout dans les rues, n'est-ce pas? Oui, je ne comprends pas. Mm-hmm. Oui, chérie, viens. Nous sommes accrochés à télé. Je veux que l'emblème là se voit derrière. Oui, chérie. Comme ça, il y a les caméras de surveillance presque partout. Mm-hmm. Comment un crime comme ça peut passer inaperçu? Il est bien vrai, le crime ne s'est pas passé à l'université. Mm-hmm. Mais on va aller dans la zone aussi. On est d'abord en train d'essayer de. Très discrètement essayer de mener nos investigations à notre niveau, avec les moyens qu'on a à notre niveau. Mm-hmm. Et ensuite, on va se déployer du côté de là où résidait la petite Gina du Bango. Ma famille, finalement, on se rapproche du Danishima. C'est pas encore ouvert. Le service de renseignement n'est pas encore ouvert. Donc, on va s'asseoir carrément ici. On va attendre qu'il se pointe à son service. On prend le renseignement nécessaire et on fait ce pourquoi on est là. Bilgi almak istiyoruz. Kaçta açılıyor acaba? Öğrenci işlerini biliyor musunuz yukarıda? Homer. Bilmiyoruz. Uzak mı? Buradan yürüyerek gidin. Fazla uzak değil. Tamam. O zaman böyle yapacağım. Buradan dümdüz gidin. Bir de bir televizyonda bir şey istedik. Bir Gabonlu bir kız. Bouda Elmuch, ama
tam ne olduğunu... Biz de bilmiyoruz. Öyle siz mi? De biliyorsunuz, biz de onu biliyoruz. Tamam, okey. Teşekkürler, kolay gelsin. La famille, en fait, vous avez remarqué que... toujours, personne ne sait rien. On vient de poser, de prendre des renseignements à la sécurité, comme vous avez vu. Et par la même occasion, nous avons encore profité pour demander poser des questions à propos de Dina. Personne ne sait rien. À part la femme, la première qui nous a un peu parlé à cœur, à part elle, là, depuis là, personne ne sait rien. Il dit, autant que vous le savez, c'est de cette façon que nous, on le sait, qu'il n'y a rien que nous, on sait que vous ne savez pas. En fait, c'est quand même un peu bizarre, non? Et depuis, nous n'avons pas encore vu un frère africain qui pourrait mieux nous renseigner. Et tel que je vous l'ai toujours dit, c'est pas tout qu'on dit sur les réseaux sociaux. Donc, au revoir depuis que nous avons vraiment pris l'engagement, nous sommes engagés pour cette histoire. Au revoir le fait que jusqu'à maintenant, aucun membre de la famille ne nous a contactés. Donc, nous avons compris que certainement, ce sont des choses de famille. Et la famille doit certainement être au courant de tout. Et nous avons le cœur qui brûle pour la petite Dina, pour que justice soit faite. Et la famille, je crois, en quelque sorte, connaît des choses que nous, on ne connaît pas. Et comme c'est pas tout qu'on dit sur les réseaux sociaux, waouh, cette université, elle est grande, la famille. Elle est grande. Comme c'est pas tout qu'on dit, nous avons décidé de faire quelque chose. On l'a commencé, il fallait qu'on aille jusqu'au bout. C'est pour cette raison qu'on ne va pas s'arrêter. Waouh, waouh, waouh. C'est toujours l'université qui continue. Waouh, c'est pas possible. Je tourne un peu la caméra, je vous montre. Donc voilà, je crois que c'est là que Dina étudiait. Là, il y a Bondi, Dile, Bissekokul. Je crois que c'est là qu'elle étudiait. Parce que là, je crois avoir entendu dans ses audios, elle parlait de la langue. Elle parlait de la langue. L'école pour la langue étrangère. En fait, nous sommes venus un peu plus tôt. Parce que voilà les heures de 9h, heure de la Turquie à 12h15 et de 13h30 à 17h30. Suzanne, nous sommes venus un peu plus tôt. Déjà parce qu'il fallait qu'on mène nos propres investigations. S'il arrive qu'il y a des choses qu'il fallait faire avant, il fallait qu'on le fasse pour éviter des petites surprises. Mm-hmm. Et ici, où on se trouve présentement, c'est Napo, la petite Dina, prenait régulièrement, venait ici chaque matin pour venir suivre ses cours de langue turque de ton mère. Donc, malheureusement, elle n'aura plus jamais l'occasion d'entrer ici. On voit comment elle vient, c'est très triste. C'est vraiment triste. À cette entrée-là, ça, c'est son entrée de sa faculté où elle faisait le ton mère. Donc, elle n'aura plus jamais l'occasion, la famille, de continuer ses cours de langue turque, parce qu'elle est déjà passée à vie dedans. On voit qu'elle sort la vie de nos erreurs. Oh, c'est très triste. Et je sais que si des hommes, des êtres humains qui ont commis ce forfait, je sais que justice sera rendue. Ce n'est plus qu'une question de temps. Son sang criant va crier vengeance. Exactement. On se connaît plus. On se connaît plus. Excellent. En tout cas, la famille, nous sommes là. Nous sommes là une heure avant l'heure de l'ouverture. Donc, excusez-moi, ce qu'on va faire, on va juste patienter. Et on se retrouve ensuite. Parce qu'à l'heure de l'ouverture, on est sûr que les étudiants vont commencer à s'approcher. Et c'est ce qu'on attend maintenant. Ah, c'est Thomas. Ah, Thomas. Ah. Thomas, c'est ici ou c'est là-bas hein? Et la petite gabonaise qui est morte, elle fait une ah, allons-y, alors nous on voulait se rapprocher vers là-bas. En fait, la famille, nous avons vu un frère. On va pas filmer son visage, sincèrement. La famille, vous savez qu'on peut pas. Donc, c'était la condition d'ailleurs qui répond à quelques de nos questions. Oui, mais il y a quelque chose qui est en train d'être un peu bizarre là. Je me rends compte, tous ceux qu'on rencontre, on a rencontré les étudiants étrangers de la peau blanche. On a rencontré les personnes, mais tout le monde ne sait rien. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Personne ne veut dire, tu vois. Personne ne veut dire, réellement, ce qui s'est passé. On attend encore la conclusion des enquêtes. Oui.
La veille, le soir, là, elle, y avait une réunion des Gabonais. Elle quittait de chez elle, mais qu'elle est venue chez son frère, son cousin ici à Yéndé. Arrivé là-bas, elle a dit à son frère, elle n'a pas dit tout, la vérité à son frère, c'est pour ça qu'on l'a protégée, pardon. Elle a dit à son frère, elle n'a pas dit à son frère qu'elle était recherchée. Tout à fait. Oui, oui. Apparemment, elle a mangé l'argent des tuques. Oui. Et les Tchadiens, d'après ce qu'on m'a dit, on a pris les raisons. Oui. Maintenant, les Tchadiens l'ont menacé qu'elle va payer, elle va voir que tout. Oui. Donc, ce que tu es en train de dire, la version que tu as pris, c'est que l'argent des Turcs et des Tchadiens, et là maintenant, elle n'a pas accepté. Peut-être la condition qu'ils avaient demandé. Peut-être elle n'a pas rempli peut-être son contrat. Elle a mangé l'argent. Le soir, la réunion, là, comme les Gabonais, il faut quand ils sont plus sur un bâtiment, ils sont venus, tu vois, ils organisent peut-être, on part chez toi, on boit, on boit tout ça. Ah, ok. Et d'ailleurs, ils sont partis chez un Gabonais, ils ont vu. Maintenant, elle avait 21 heures, elle n'est pas chargée son téléphone. Oui. On croyait que lui, elle était sous et tout, elle est partie. Là, voilà, elle s'est mise à courir, elle est escaladée chez son cousin. Mm-hmm. Elle s'est mise à courir, il y avait les gars qui la poursuivaient à l'autre. Mm-hmm. Et tout, c'est ça qu'elle a su. Comment vous avez vu la vidéo? Mais elle courait, on ne voyait pas quelqu'un qui était en train de la chasser dans la vidéo. Tu as remarqué quand même. On n'a pas manqué. Oui, c'est aussi. De toute façon, on s'en rend compte que soit les caméras de surveillance ont été détruites. Est-ce que tu pourrais seul? Oui, c'est la question que le monde entier essaie de comprendre. Mais c'est vrai que son corps trouvé avait les signes de d'agression sexuelle quand même. Donc là, on attend que là. Mais on a arrêté trois tuques. Oui, trois tuques qui arrivent. Apparemment, c'est les Gabonais, mon édipant. Son cousin, le soir là, il est parti, il a dormi chez lui. Il croyait que sa soeur a dormi chez ses amis, comme c'est la famille. Tu exactement. Et dans le matin, c'est la mère de la fille qui appelle son cousin là. Ça ne passe pas. Comment tu es. Alors lui, il s'est rendu compte qu'elle n'est pas là. Il a demandé à tout le monde qu'on n'a pas vu. On a appelé, c'est là qu'on a découvert le corps. J'ai envie de savoir, les étudiants, il y a beaucoup d'étudiants camerounais ici à l'université de Carabo. Oui, nous sommes quasi, dans le groupe de la communauté, nous sommes plus de 150. Plus de 150 étudiants camerounais. Non, mais c'est nous sommes plus de 200 camerounais. Plus de 200 camerounais et la communauté gabonaise. Alors, les Gabonais sont plus de 500. Plus de 500 Gabonais. Et pourquoi pas une autre université? Pourquoi ils arrivent dans un pays comme la Turquie qui est assez facile? Ils préfèrent plus venir du côté de Carabo. C'est une question qui va aussi répondre, revenir à votre propre cas, à vous, pourquoi vous avez choisi Carabo? Carabo n'est pas cher, elle est moins chère, c'est 2000 télés. 2000 télés? Non! Tu sais combien j'ai fait mon tomé à Istanbul? À Istanbul, chez moi, c'était 3 000 $. Et la deuxième question que je veux poser, en dehors de l'université, les études qui sont ici, comment elles font pour subvenir à leurs besoins? Parce que beaucoup courent, les bruits courent partout, qu'elles doivent beaucoup se procéder. Oui, il y a un sénateur. Apparemment, on a réduit. Moi, c'est ici, avant qu'il n'arrive, il y avait beaucoup la pollution, mais. On a sorti une fois pour réduire, c'est pour ça qu'il y a les affirmations. De moins en moins. Donc il y avait la position que les types d'affirmations, etc. Mais quand on a réduit. Parce que moi, je sais que pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'on a constaté que la fille se pose. Il faut qu'on a constaté que les filles sont légères de ce côté. Parce que quand la façon qu'on aborde une femme, la façon qu'elle te repousse, elle comprend que la fille là, je ne peux pas passer. Par exemple, à Istanbul, par exemple, généralement, il y a des gens qui passent quelque part, ils voient les filles, ils viennent te proposer de l'argent. C'est parce que d'autres sont passés, ils ont accepté, ils ont été faciles. Ils se disent que toutes les femmes sont pareilles. Donc la question que j'aimerais savoir, c'est que est-ce que les filles vivent comment ici? Parce que j'ai constaté, parce qu'ils ne peuvent pas se lever, venir proposer l'argent, comme tu as entendu dire, les Tchadiens, les Turcs. Ça veut dire qu'il y a tout un réseau ici. Les Camerounais ici, là, c'est pas qu'ils vendent des messages. Elles ne font pas comme ça. Les banques sont les Camerounais, elles ont été c'est même facile. C'est dit les gars, les Camerounais ici, là. C'est plus. C'est pas que les Gabonais, elles sont trop faciles. Donc, quand elles arrivent ici, là, la mentalité change, donc, c'est un peu ça. Donc, c'est très facile, les gars, une Gabonaise, les Guinéens, les Guinéens, ils ont été communautés là-bas. C'est plus les Guinéens qui ont fait le pour ça, vous en dites.
Ok, et vous qui fréquentez ici, et si vous n'avez pas de leur famille qui vous envoie l'argent, par exemple, dans vos pays, comment vous faites pour subvenir aux petits besoins? Nous, on a des choses à d'abord. Alors, là, c'est un autre problème. Donc, là, on a commencé un petit job ici, là, on me paye 200 tirés la journée. 200 tirés? Ouais, là, c'est le travail un peu, on ne reconnaît pas, on dit arrêter. Mm-hmm. La plupart quand ils sont ici là, quand ils commencent le tournoi, quand ton Kimli t'encourage, tu vois. Mm-hmm. Kimli, c'est la réserve. Il partait peut-être en Thaïlande. En Thaïlande, il travaille dans les hôtels. Mm-hmm. Il partait sans, il faut un mois pour revenir. Il fait 2 mois, il revient. Mm-hmm. Ouais, il y a d'autres qui partent, ils reviennent après 4 mois. Quand les Kimli vient expirer, mm-hmm. ils reviennent faire le tournoi. Après, on revient. C'est un peu comme ça. Ah, ok. Et comment la population se comporte? Vous qui êtes dans les quartiers de Karabou, ils se comportent comment? Sont trop racistes ou bien? Moi, pas vraiment, les gens parlent racisme là. Quand ils comprennent un peu le truc, donc quand ils parlent, ils font les trucs de racisme là. Moi, ils passent tellement mal, je ne sais pas pourquoi ça veut dire. Tout à fait. C'est justement ici là pour un peu, tu vois. Et ça parle, ça parle. On se regroupe en connu, on cause la nuit comme ça, on tape les divins, les trucs de détroit. Ouais, on se regroupe tout ça en connu, on parle légèrement au Tchad. Et maintenant, entre les coulisses par rapport à l'argent qu'elle doit aux Tchadiens et aux Tchouks, est-ce que vous avez une raison pour laquelle elle pourrait les devoir de l'argent? Vous avez une idée? Vous avez entendu des trucs à propos? Les Tchadiens ne savent plus avoir l'argent. Ah, c'est les Tchadiens étudiants, c'est que vous commencez, c'est les Tchadiens qui étudient aussi, ou bien c'est les Tchadiens qui font les étudiants. On ne sait pas, ils sont tous business étudiants. Ils sont tous à fait. Donc, ils viennent avec les iPhone 4, ils ont plus de 13 et 14. Ils ont des véhicules, ils ont des voitures. Ils vous influencent sur le téléphone, tu oublies de partir vers eux. Donc, ça veut dire, si je comprends, mais c'est des étudiants, par exemple, qui sont venus ici fréquenter, où les parents ont beaucoup de moyens. On appelle ça chez nous, les Mounatété. Donc, les Tchadiens qui ont un confort. Mmh. Donc, de leur pays, ils n'avaient pas de problème financier. Mmh. Et ils arrivent ici maintenant. Pour impressionner les autres filles. Et comme ils respectent pour la femme. Comme en général, on parle pas les cheveux. Et aussi, ce que j'ai constaté ici à Karabou, je constate qu'il y a beaucoup de sécurité. Oui, il y a beaucoup de sécurité. Ça veut dire que moi, je sais que si les Tchouks devaient élucider la mort de la petite Gina, ça ne pouvait pas les prendre 24 heures. Pourquoi ça traîne? Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont rendus compte que leurs frères Tchouks sont impliqués ou bien ils sont. Parce que si c'était les étrangers, donc, ils auront déjà bouclé l'enquête. Parce qu'ils n'ont rien à foutre ici. Vous avez une autre version encore en dehors de ce que vous avez dit là. C'est ça. Parce que nous avons également rencontré une femme là quand on venait. Elle nous a dit la façon qu'elle courait sort dans la rue, qu'elle pense que peut-être elle a un peu tiré quelque chose là et que sa tête tournait. C'est pas possible, n'est-ce pas? C'est pas possible. Moi, j'ai dit à une enfant de 17 ans. Elle était poussée depuis le cheval là-bas, mais qu'est-ce que ça? Oui. Peut-être à 15 ans d'ici là. Elle est venue se retrouver comme là. Elle n'a pas tout mis à son enfant comme elle est dit là-bas. Ok. Donc, elle avait d'abord fui le cheval. Elle est venue se réfugier chez son frère. Puis quand la menace, elle est venue se réfugier. Elle croyait qu'elle était assez poussée. Mais elle n'a rien dit pour la protection. Et elle arrive, elle a caché. Peut-être s'il avait dit que voilà, je suis menacée. Peut-être son frère aurait pris des dispositions en appelant la police. Comment est-ce qu'elle pourrait là? Ouais. Bah, tout là-bas, c'était seulement plus les noirs qui restaient là-bas. Donc, si elle criait, tout le monde devait sortir. Ah, oui. Donc, ça veut dire que comme elle courait là, si elle criait, peut-être les gens devaient sortir au secours parce qu'il y avait des noirs les dans les environs. Peut-être qu'elle en voulait. Quand tu fais un mauvais truc, tu dis aux gens, ça va. Les gens te regardent, on va parler, ça va. Ça va, ça va. Peut-être que c'est ça qu'elle avait fait, les regards des gens qui ont. Ah, ok. Peut-être qu'elle en voulait aussi, je sais pas. Je sais pas, c'est quand même complexe. Elle parlait un peu la langue tu, elle s'en sortait déjà quand même. Elle parlait la langue de Tchadresse, elle était au troisième niveau. Elle était quand même déjà une meilleure. Le soir, là où il faisait la réunion, c'était où? Je connais où elle faisait la réunion, mais je ne connais pas l'appartement. Oui, on va aller aussi là-bas. Et là où elle courait, elle est très loin de là où elle faisait la réunion. La réunion est finie sans séparer, mais ils sont partis chez eux. Ils sont rentrés, tu vois, ils ont organisé petit. Mais il n'y avait pas la réunion, le chargeur, la lumière chez son frère là. Pourquoi on n'a pas chargé son téléphone là-bas? Elle n'avait pas le chargé, parce que le chargé qu'elle partait chercher. En bas, elle partait demander. Elle partait chercher en bas chez son cousin. Ok, donc ils étaient nombreux dans l'immeuble. Il dit que la Turquie est trop injuste. Sûrement, il est arrivé, il est tombé que sur les mauvaises personnes. Nous, on aime ce pays. Si on a fait 12 ans, le sort du Portugal, il y a fait beaucoup de choses. Même si on va venir me garder, je vais dire. On parle là où elle pourrait. On s'avance alors.
Attends, vous avez fait la marche ici, là, ils vous ont arrêté. Non, les caméras, non. Oui. Il y a la police qui est là, il y a même le manu à ta, comme on l'appelle. Ah bon, hein? La veille, le soir, le soir, on a marché là, la nuit. Oui, vous avez marché. On a marché à l'église, là, c'est bien, là, la nuit, là, c'est le matin, c'est le... Après, la journée, même, on est venu marcher à l'église, c'est le recteur qui est venu là. C'est la salle de classe où la petite Gina fait en terre et que vous avez remarqué, perd son âme. Oh Seigneur, ceux qui ont ôté la mort à ce jeune enfant, que justice soit faite, que cela paye par tous les moyens, qu'il paye. Seigneur, comment est-ce qu'on peut faire autant d'atrocités dans ce monde où tout est vanité? Ah, que son âme repose en paix. Bonjour, vous parlez français? Excusez-moi, nous sommes là par rapport à la petite Gina qui a fait une histoire dehors. Et nous sommes là, je ne sais pas comment faire, nous sommes de ceux-là qui ont fait une histoire. Malheureusement, on est là. On ne sait pas à peu près ce qui s'est passé, vous avez une idée de ce qui s'est passé. On a dit à sa maman, elle a été agressée, puis elle avait des compromis avec des gens. Ça, je ne sais pas, parce que je ne la connais pas vraiment, mais la nuit. Mais ça fait quand même bizarre qu'on agresse des gens. Vous n'avez pas peur. En apprenant ça, ou bien vous pensez qu'elle était mêlée à quelque chose. Ça, je ne sais pas trop parce que, apparemment, l'affaire est très compliquée. Donc, c'est une affaire très compliquée. Voilà. Oui, parce que quand même, on ne tue pas quelqu'un pour rien. Ouais. Parce que moi aussi, j'ai étudié à l'université, ici en Turquie, mais plutôt à Istanbul. Et je parle parfaitement la langue turque aussi. Donc, ce qui fait que je connais un peu quand même que pourquoi on en arrive là, il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Ok, d'accord, bon, en tout cas, ceux qui ont fait ça, nous avons entendu que la police a arrêté les suspects. Ils ont arrêté les suspects. Ah, oh, ok. Parmi lesquels, il y avait des trucs aussi. Ça, je ne sais pas trop. On n'a pas précisé la nationalité. Ah, oh, ok. Cette affaire, cette histoire. Et votre amie en question qui est proche à elle, elle va venir aussi aujourd'hui à l'école? Oui, je pense qu'elle va venir. Je ne sais pas trop, n'est-ce pas? Parce qu'on aura vraiment aimé le rencontrer. Nous sommes venus de l'Afrique uniquement pour ça. Et si normalement vous... Je ne sais pas si vous êtes trop sur YouTube, vous allez nous voir. Parce que nous sommes des influenceurs et nous avons dit... nous sommes beaucoup intégrés en Turquie. On a dit si quelque chose comme ça arrive, il faudrait quand même qu'on essaie de faire quelque chose à notre niveau. Et pour ça, si on pouvait avoir quelqu'un de proche à elle,
vraiment ça pouvait être, beaucoup aider. S'il y a quelque chose qu'on peut faire à nous, ou bien des niveaux, parce que je ne sais pas si vous avez la possibilité de l'appeler pour savoir si elle va venir aujourd'hui. C'est possible, s'il vous plaît. Ok, merci. Donc ce n'est que les présidents des communautés qui ont la bonne information. Vous n'avez que les briefs d'informations. Voilà, les briefs d'informations et un audio qu'elle a envoyé à sa mère. Oui. Et quelques temps avant que la fleur soit. Oui, ça fait vrai. Et maintenant, dans l'audio, elle parlait à sa maman comme si elle savait qu'elle allait mourir. Oui. Ça veut dire qu'à ce moment-là, elle savait qu'il y a. Que, je sais pas. Mais c'est un peu compliqué ici. Mais de ce qu'on nous a dit ici, mm-hmm. parce qu'il y a des amis à moi qui sont venus avec des Turcs, mm-hmm. et eux. Mm-hmm. Normalement, le racisme, nous n'avons rien à faire. Oui. Parce qu'on est normal, on peut juste l'éviter ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Ce qui se passe plus ici, c'est l'histoire avec les femmes. Ils ont plus un problème avec les femmes en général. Mm-hmm. Parce que la fleur là, en temps normal, ils disent que même leurs propres soeurs sont victimes de ce qui se passe comme ça. Mm-hmm. Donc ce n'est pas vraiment du racisme. Oui. Mais si c'est une histoire de racisme, mm-hmm. c'est plus du côté des étrangers. Proche de la Turquie. Mm-hmm. On les confond souvent. Exactement, exactement. Exactement. Donc, c'est qui vous ont dit ça, les Turcs, même, n'est-ce pas? Oui, les amis qui sont liés, les Turcs ou les Turcs eux-mêmes. Ah, ok, ok, ok. Et c'est vrai, en réalité, ils ne sont pas racistes. Pour mm-hmm. avoir vécu longtemps en Turquie, nous pouvons le confirmer. Oui, c'est pas raciste, c'est juste un peu parfois effrayé par la nouveauté, mais c'est ça aussi. Les hommes turcs ont plus de problèmes avec les femmes, mm-hmm. parce qu'ils sont très traditionnels et tout. Mm-hmm. C'est donc, ça. Si c'est une affaire comme ça, soit c'est les étrangers, toujours peut-être parce qu'elle était une femme qui sont attaquées. C'est ça aussi, mais même si, n'est-ce pas, même si on est raciste, est-ce qu'on a besoin de tuer? Non, pas peur. Vous devez normalement avoir peur, en tant qu'une femme aussi qui est fréquente ici. Mais si vous n'avez pas peur, ça veut dire que vous n'avez rien à vous reprocher. C'est ça, justement. En tout cas, ça c'est une affaire compliquée. Ça compliqué. N'est-ce pas, chérie, tu ne trouves pas? Tu ne trouves pas que c'est très compliqué? Non, il y a beaucoup de mystères qui trament autour. Mm-hmm. Et il faut juste essayer de rassembler les pièces du puzzle pour mm-hmm. comprendre réellement ce qui s'est passé. Voir un peu ce qui s'est réellement passé. Mm-hmm. Parce qu'on rencontre des étudiants, ils n'ont pas peur du racisme. Le racisme existe. Exactement. Ils ne paniquent pas. Exactement. Puisque ça veut dire que mm-hmm. aller jusqu'à violer, jusqu'à tuer, mm-hmm. ça veut dire que c'est quand même l'image de la Turquie en dépend énormément. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on a entendu. Vous avez entendu parler du téléphone qu'elle devait envoyer à un membre de sa famille où la douane a bloqué. Mmh, un iPhone 14. C'est un téléphone qu'elle devait recevoir. Ah, oh, c'est le téléphone qui venait. Ah, ok. Donc voilà pourquoi c'est venu auprès de sa mère. Parce qu'apparemment, on ne voulait pas lui rendre le téléphone. Okay. Elle allait passer pour en prendre un autre. Ah, oh, d'accord. Donc, apparemment, quand elle était sortie, c'était pour aller récupérer le téléphone en question. Ok, d'accord. Bonjour. Ça va? Je suis pas. Elle nous connaît. Je dis que nous avons passé à la personne. Je suis en train de dire qu'on est venu juste pour essayer d'avoir des réponses de ce qui s'est passé. Vous nous suivez sur YouTube? C'est pour ça que je demande qu'elle écrit. Merci pour le soutien. Comment c'est-tu? Doria. Ah, Doria. Doria. Ça fait combien de temps que tu es ici? Avec Simon. Ah, Simon. Ça va quand même. Donc, je ne filme pas ton visage. Comme ça te dérange? Ok, pas de souci. Même si je filme ton visage, ça te dérange? Non. Ah, ok, ça lui dérange. Voilà, ça ne dérange pas. Vous êtes la toute première personne qui accepte quand je me sens visage. Vous appelez comment? Doria. C'est un joli prénom, Doria. Et en plus, elle est gabonaise. Oui, elle nous connaît, elle nous suit. C'est vraiment très bien. Donc, nous sommes là. Elle ne veut pas me lâcher depuis le matin, elle touche les bouts de mes cheveux. Elle c'est une tueur. Regardez comment elle aime les Africains. C'est moi. Evet. Hi zaman bekliyoruz. Hadi Allah'a emanet ol canım benim. Hadi Allah'a emanet. Sağ ol. Hoşçakalın. Ils aiment tellement les étrangers ici. Avec vous, ils sont toujours comme ça. C'est parce que je parle turc. Ils sont toujours aimants comme ça. C'est plus les âgés qui sont comme ça. Mm-hmm. Mais il y a certaines jeunes qui sont un peu bizarres. Comme une fois, un soir, j'étais sortie avec un ami. Il y a des jeunes qui sont passés sur une moto. Ils nous ont nous insultant un peu fils de c'est toi, etc. Mais il y a certains qui sont accueillants comme les vieux. Ils aiment bien les étrangers. Poser des questions d'où vous venez.
bon, un peu sur comment ça se passe chez nos pays, qui paye nos études, comment on fait, etc. Mais ils sont gentils, mais c'est plus les jeunes qui sont plus restreints et éloignés. Doré, après les 6 mois que tu as passé ici, c'est facile d'ailleurs pour toi de différencier le dur des Kurdes des autres étrangers. Voilà. Ah, tout à fait, ça veut dire que tout ce qu'elle ramène comme les blancs, elle considère comme des tirs. Et vraiment, ça nous touche énormément. C'est la première Gabonaise qu'on a rencontrée à Karabouk University. Qui a fait de montrer son visage. Elle est là depuis 6 mois. Tu fais quelle filière? Ingénieur industriel. Mais tu es d'abord en train de faire le tome pour améliorer ton niveau en langue tir avant de pouvoir continuer tes études normalement. Vous avez fait la connaissance de la petite Gina, Non, malheureusement, je ne la connaissais pas. Okay. Vous avez quand même entendu parler de ce qui s'est passé? Oui, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé. On a vu les vidéos de surveillance, on a écouté un peu l'histoire, comme quoi c'était une histoire de placement. D'après ce que les gens disent, c'était une histoire de placement et tout. Elle avait refusé, mais comme certaines personnes avaient déjà pris l'argent, ils ont tombé un piège d'après ce qu'eux disent. Oui. Et il y a une autre histoire qui disait qu'elle avait un problème avec son téléphone et puis elle est passée on ne sait toujours pas pourquoi il était sorti à 23h. Donc, c'est un peu flou. C'est vrai, c'est flou parce qu'on voit dans les caméras de surveillance courir seul, il n'y a personne derrière qui chasse et pieds nus. Ça fait quand même trop de choses à réfléchir pour trouver qu'est-ce qui s'est passé. Et ça ne te fait pas peur? Parce que quand je te vois, tu as l'air d'être encore très très petite là. Ça ne te fait pas peur de voir une compatriote qui laisse sa vie ici? Tu ne peux pas penser que demain ça pourrait être mon tour? Ça ne te fait pas paniquer? Bon, ça ne me faisait pas peur jusqu'à ce que j'ai vécu ce qui s'est passé dernièrement en fait. Quand il y a des gens qui sont passés et nous insultés, ça ne me faisait pas peur avant. Mais certes, je ne me baladais pas seule. Mais là maintenant, c'est assez compliqué de prendre des routes où je ne vois personne. Ou bien d'être entouré de trop de gens en fait. Ok. Et tu vis seule ici, tu vis toi avec les sœurs gabonaises ici, dans votre internat, tu vis dans un internat, tu loges quelque part? Je loge quelque part avec des Gabonais. Ok. Et maintenant, excuse-moi chérie, est-ce que tu penses qu'on peut tuer quelqu'un pour rien? Voilà, je sais pas, moi personnellement je pense pas qu'on peut tuer quelqu'un pour rien. Exactement, donc pas besoin d'avoir peur, n'est-ce pas? Oui, n'aie pas peur. Moi j'avais fait Tu connais la classe de Dina? Là où elle fréquentait sa salle de classe? Bon, là où elle fréquentait le professeur n'est plus professeur là-bas. Ah, ok. Il n'y a plus de professeur là-bas? Bon, ils ont échangé, c'est un autre professeur maintenant qui est là-bas. Nous on aimerait si tu peux nous amener dans sa salle de classe pour qu'on puisse ensemble, pour qu'on voit là où la petite Dina fréquenter sa salle de classe parce qu'elle n'aura plus jamais l'occasion de s'asseoir sur cette classe. Ça va aussi permettre, ça va aussi beaucoup apaiser le cœur de tous ces Gabonais qui sont en train de regarder ces vidéos. Vraiment, vous qui êtes ici à Istanbul, vous ne connaissez pas à quel point cette histoire a bouleversé le monde entier. D'avoir une fille unique, je pense qu'elle était fille unique. Voilà. D'avoir une fille unique, l'envoyer à Turquie étudie et après qu'elle va rentrer peut-être des pieds devant. Vous savez, tu sais ce que ça peut faire. Ça peut être tout. C'est pour ça que c'est tellement choquant. Quand on parle comme ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Il n'y a que les mamans qui ont accouché, qui vivent ça, qui en souffrent. Tant que tu n'as pas accouché, tu ne peux pas connaître. Parce que dans les lois de la nature, dans l'ordre divin, c'est écrit que c'est toi qui vas aller enterrer maman. Pas que c'est maman qui vient t'enterrer. Voilà. Mais quand l'ordre des choses est bon, c'est trop trop choquant. Il ne parle pas à ton cours, n'est-ce pas? Le prof n'est pas encore arrivé. Ok, d'accord. Je ne connaissais pas sa classe. J'ai des amis qui l'attendaient, qui étaient dans la même classe, mais je ne connais pas. Tu peux nous orienter vers ces amis-là, c'est possible. Ils sont déjà là. On peut essayer de contacter une. On peut savoir s'ils sont déjà là. Elle est encore toute petite. Très petite. 19 ans, c'est une petite fille. Oui, mais il se pourrait qu'elle avait 17 ans. Elle était beaucoup pas petite par rapport. Elle était de 2005, donc elle prenait 18 ans cette année. Elle devait avoir 18 ans cette année. Oh là là, père son âme, père son âme. Seigneur, le Dieu de justice doit agir pour ceux qui sont à l'origine de ces atrocités. Merci beaucoup, Seigneur. Ah, ok, voilà son professeur qui est arrivé. Bon, elle va prendre tout le renseignement. On va la laisser aller faire son cours. Parce qu'il nous a dit que le bâtiment d'en face, il y a plus les Gabonais qui fréquentent là-bas. Le bâtiment qui s'est arrivé, c'est ça, non? Oui, aussi. Le Gabonais, n'est-ce pas? Va ou pas, ma chérie, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ça va. Bonjour. Bonjour. Vous allez voir? Oui, bien sûr.
Ah, vous savez quoi On appelle ça parfum bonbon. Ah. Et je veux savoir la mèche. Oui, la mèche. Tu connais la mèche qu'on appelle chez nous. Vous êtes de quelle nationalité Camerounaise. Oui, la mèche, c'est à l'autre du pendant. Ah. Oui, on met ça en bas, n'est-ce pas? On essaie de piquer d'abord le bas, ensuite on met le fil, on tisse jusque là. Le reste, maintenant, on arrange comme ça la boule, on attache avec le filet et c'est tout. Ah, d'accord. C'est joli. Donc, en bas, oui, c'est joli. D'accord, chérie. Donc, en bas, c'est, on a comme ça. Ah oui, on après, tisse on envoie, oui, on envoie le truc en bas. Non, ensuite, maintenant, on met encore le fil loin en bas. On essaie d'en avec le fil. On enroule, on avec, enroule. Oui, avec le fil. Jusqu'au donc, niveau. C'est une mèche qui est déjà ronde. Tu connais pas la mèche à l'eau du panda, ma chérie. Non, 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 non. C'est une mèche qui est comme la texture du cheveu crépus. Ah oui, c'est ça que je veux. Exactement. Ah. Donc, c'est à la fois la texture du cheveu crépus. J'ai même fait une vidéo sur ça. Si tu es sur YouTube, vas sur Suzanne et Christian. Quand je tressais ça, j'ai fait un tuto. Ah, c'est toi qui t'es tressé? Ah bon, en fait, quand on me tressait, j'ai fait un tuto. Ah, en tu fait. As fait un tuto. Je voulais d'abord te poser une question. Oui. Tu as compris la Gabonaise qui est décidée ici, là, la petite Dina. Oui. Qu'est-ce qui se passait exactement? C'est ce qu'elle fréquentait, non? Oui. Qu'est-ce qui se passait, ma chérie? En fait, non. Je ne te filme pas. Mais si tu veux que je te filme, je peux te filmer. Ça ne te dérange pas. En fait, moi, je sais, c'est un sujet délicat. En fait, on arrête. C'est très bien. Moi, je donne. Ah bon? Moi, je ne connais pas. Oui. On arrête les gens. On arrête. Les gens qui parlent par rapport à ça. Bon, pas les gens qui. C'est pas qui se prononcent, genre, qui font de ça pour une personne. Oui, qui veut se prononcer. C'est un sujet un peu trop délicat. Donc, par exemple, si moi, je viens là et qu'ils se rendent compte que je veux m'investir dans la famille, ils vont m'arrêter. Oui. Ah bon? Mais on les laisse faire le travail en fait. Oh, il veut la personne veut qu'on les laisse faire le travail. C'est ça. Oui, chérie. Bonjour. Vous allez bien? Moi, c'est Suzanne. Estelle. Mmh. Bonjour, mon frère. Bonjour mon cher. Entre dans le cuisine. Ça fait 3 mois. Ah, 3 mois seulement. Vous avez entendu parler de la petite Dina Gabonaise qui est morte ici. Oui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous sommes des Africains. Nous sommes venus juste essayer de comprendre. Ça choque le monde. Parce que vous avez un frère italien. Ça peut être un frère italien aussi qui perd aussi la vie. Tout le monde doit s'impliquer. Nous sommes de la peau noire. On ne comprend pas ce que vraiment ce qui se passe. Il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, ça va un peu dans tous les sens. Je ne comprends pas. Les problèmes de racisme. Et les problèmes de racisme pour faire au point de vue on viole quelqu'un un petit comme ça. Moi, je croyais qu'ils ont peut-être avec des attaques ici. Oui. Ils ont des relations peut-être. Oui. Après, la fille, elle voulait dénoncer. Ils ont mis des relations. Des attaques, ok, c'est ça. Mais pourquoi ils m'ont acquis? Ils ont gagné la désinformation pour qu'ils ne pas ramener. Vous avez vu l'image tout à fait. La nuit qu'elle a joué depuis le mois. Et entre temps aussi, elle appelle aussi sa maman pour dire que maman, il faut que tu me fais partie d'ici urgentement. Oui. Si tu ne me fais pas partie, ils vont me tuer, je vais mourir, c'était les qui, on ne comprend pas. Oui, ils vont attraper quelqu'un de chez eux. Oui. Ils sont Oui. Mais est-ce qu'ils ont précisé leur nationalité? C'était des cultures, c'était des étrangers. C'est des gens de chez nous. C'est des gens du cinéma. Peut-être elle avait vu les visages qu'il ne fallait pas qu'elle voie. Peut-être elle voulait les dénoncer. Ils ont des relations, peut-être. En tout cas, on l'a violée, peut-être. Ah. Ça pourrait être ça. Ah, ok. Ils avaient peur qu'elle les dénonce. Oui.
C'est pour cela qu'on a tiré une tête. Ah oui, c'est ça. Sûrement, elle a vu quelque chose. Elle s'est retrouvée au mauvais endroit. Mmh. Ou elle a vu quelque chose qu'il ne fallait pas qu'elle voie. Mmh. Elle s'est retrouvée. Il faut déjà la même peut-être que sa question, là, si on ne la dit pas, mmh. elle va nous donner. Si on sera. On sera. Si 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 on sera. D'accord, mon frère. On ne va pas attendre beaucoup de temps. Ok, merci. On va ne pas prendre le temps. Ça c'est une information très importante. Donc vous voyez la famille, nous sommes juste à l'entrée de l'université, dans la faculté où Gina fréquentait. Mm-hmm. Nous sommes en train de voir quelques frères, on essaie un peu de comprendre, de savoir mm-hmm. ce qu'il met très discrètement. Mm-hmm. Parce que nous avons utilisé un téléphone qui passe vraiment discrètement. Mm-hmm. On ne comprend pas, tout à l'heure c'était un frère tchadien, il essaie de nous donner mm-hmm. sa part de ce qu'il a entendu. Mm-hmm. Donc c'est terrible. Vraiment, c'est que vous aviez écouté tous ensemble oui. avec nous. Ils étaient en train de faire une réunion quelque part. Mm-hmm. Et là, maintenant, elle a décidé qu'elle devait descendre, prendre son chargeur mm-hmm. pour aller causer au téléphone. Mm-hmm. Comment ces gens-là l'ont vu là, à quel moment? Et c'est subitement, on l'a montré dans la rue, les caméras l'ont filmé, elle était en train de courir dans la connaissance. Oui, parce que le gars a dit que peut-être avant d'être en train de courir dans la rue, elle était traumatisée, peut-être parce qu'on vient de la rue. Et quand elle parvient à s'échapper, ou bien quand elle, bon, pas quand même qu'elle parvient à s'échapper parce qu'il ne peut pas. À laisser s'échapper s'ils ne veulent pas. Si ça veut dire que sa version peut prendre un sens. Parce que personne ne comprend la situation, c'est trop compliqué. Donc il dit, elle court, et ces gens-là voient que non, si ils la laissent, elle va dénoncer ceux qui l'ont violée. Et ils pourront. Parce qu'en Turquie, le crime de viol est très, très, très grave. Pas si même à la peine de mort. Exactement. Donc ils ont décidé d'en finir avec elle. C'est la version de celui qu'on vient d'interroger là. Ah, vous tenez une série de prières ensemble. Parce qu'on m'a dit qu'elle était très croyante, qu'elle priait beaucoup. On tient une série de prières ensemble. Elle venait souvent à l'église. Ça c'est toujours au premier banc. Comment? Elle s'est toujours au premier banc. Ah, au premier banc, oui, tout à fait. C'est les témoins que nous avons enseignés. Je chante à l'église. Oui, ah, tu es chante. Vous connaissez le pasteur David Pacha? À Istanbul. C'est nous qui avons restauré cette église ensemble. Donc, vraiment, on a besoin de comprendre ce qui est réellement passé. C'est-à-dire que nous avons une forte communauté qui nous suit beaucoup. Ils ont envie de comprendre. On n'arrive pas à comprendre. Il y a tellement de. Ça va dans tous les sens. Nous avons la communauté qui a envie d'être éclairée. Vraiment, demain, ça peut être un Camerounais. Nous sommes du Cameroun. Ça peut être un Congolais. Ça peut être un type. Donc, ça veut dire que si on ne s'implique pas maintenant, nos enfants sont revenus. Elle a fréquenté. Elle parle parfaitement la langue turque. Mais nous, si on n'essaie pas de donner des raisons, pour les amener aussi à valoriser la peau, demain ça va continuer. Une autre Dina pourrait encore mourir. Vous pensez que qu'est-ce qui s'est arrivé au justement en Dina? Les autorités disent que je ne retrouve aucune trace de viol sur son corps et tout ça. Tout le monde ne croit pas en ça. Tout le monde ne croit pas en ça. Ils disent avoir arrêté 4 suspects sur 7. Mm-hmm. Ils sont des suspects. Mm-hmm. Ils ont donné les nationalités? Non, pas de. Oui, ça a pris une dame. Elle est ici là. Oui, ça a créé la bagarre. Nous n'avons pas encore de verdict. Tout à fait. Et tout ça. Et vous-même, et un peu. Je vois sur les réseaux, il y a même d'autres personnes qui. Abuse un peu sur le sujet. Oui, c'est pour, oui en fait, c'est pour ces raisons que nous, on a voulu venir, je pense, parce que ça va dans tous les sens. Dans tous les sens. Et vous avez dit d'autres abus en quoi, Faisa? Il y a d'autres qui disent des choses qui ne se sont pas passées ici. Comme quoi, par exemple? Même des blancs en France qui disent que, voilà, nous, on s'est battus avec des Turcs. Ah, ils ont, il dit? Ils ont s'est battus avec des Turcs, ils ont repoussé par la force. Oui. Et tout ça, mais. Pourtant, c'est faux. Après, mm-hmm. bon, il y a eu des lacrymogènes, des gaz, tout ça. Pourtant, c'est pas vrai. Mm-hmm. C'est pas vrai. C'est un blogueur français. C'est un blogueur. Même une blogueuse, elle est française, non? C'est. Mm-hmm.
Bon. Ici, il y a eu des manifestations. Pour le Pacifique. Non, il n'y a pas eu une réseau de gaz et tout. Pas de gaz, pas de gaz. On n'a pas de gaz. On a arrêté des gens. Non, on a pas rapatrié. On a rapatrié. Attends, on a rapatrié des gens qui ont voulu manifester. Oui. Oh, mais ça, c'est grave. Bon, les chefs de groupe, selon les titres, on n'a pas confirmé. Ils avaient aussi des. Donc, et si je comprends bien, il dit que on a reçu depuis hier qu'il y a des messages qui véhiculent harcèlement sexuel que la petite fille vivait. Et ces gens-là faisaient comment pour avoir son numéro de téléphone? C'est ce que je comprends pas. Ou bien elle était mêlée, ou bien elle faisait des trucs un peu bizarres. Oui, tu peux, on a simplement dit qu'on a trouvé des messages. Dans son téléphone. Dans son téléphone. Ça veut dire que c'est compliqué que vous vous prononcez alors, si je comprends bien. La famille, en fait, comme vous avez remarqué, nous venons d'avoir causé directement avec un chant avec qui elle faisait un chant de son église, en fait, parce qu'elle était beaucoup. Elle est beaucoup. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Oui, nous sommes là par rapport à quelque chose de très important. J'espère que vous allez nous aider. Mm-hmm. Par rapport à la mort de Dina, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça vraiment, une soirée, moi, une soirée vraiment. N'est-ce pas? On a donné plus d'informations. N'est-ce pas? On voudrait là où la caméra lui a filmé en train de courir seul dans la rue. C'est loin d'ici. Je ne connais pas. Je pense à Izenji. Ah, c'est dans une autre, notre quartier. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Et vous étudiez la langue turque? Oui. Ah, ok. Beaucoup de courage. Ça se passe bien? Ça va. Ok, merci. Du courage. Sarah. Déborah. Déborah. Mais elle a prévu, en fait, partir. Ah. Dans mon pays. Ah. Elle ne vient plus. Ah, elle ne viendra plus ici. Elle ne vient plus. Il y a qui encore qui la connaissait? Je ne sais pas. C'est plus comme ça, ça nous cache. C'est plutôt ça, c'est des cas où il y avait une fille à connaissait ici là. C'est seulement une fille qui avait l'habitude de traîner avec elle. Ah, ok. Là, je pensais pas. Mais là, où on a montré les camas, c'était dans le film, c'était dans quel quartier? Je pense que c'était à Luzenji. Luzenji. Dans un autre quartier, n'est-ce pas? Tu connais qui peut connaître l'endroit là? La famille, on est un peu dans la salle de classe, on essaie de causer avec les professeurs, causer un peu de tout et de rien, essayer de prendre la tendance. Hocam çok nazımsın, onu çekerim. Kolay gelsin. Donc voilà, ah, famille, quoi faire de plus? Allô? Donc voilà, ah, excusez-moi. Ok, d'accord. La famille, en fait. Non, j'attends la vidéo, là, en fait. C'était important. La vidéo, là. Je viens ou j'attends? En tout cas, des fois, il faut aussi être trop sympa, voir... garde les étudiants. Exactement. Pouvoir être, c'est-à-dire, comment on dit ça? Qu'on puisse être ouvert, en fait, en fait, qu'on ne nous ferme pas. Parce que c'est un cas de fermer, en fait. Là, maintenant, nous sommes dans la petite cantine pour chercher un peu un petit quoi avaler. Parce que depuis le matin, on n'a rien mis sur la dent et... Merhaba, tamam. Çok sıcağım abi.
effectivement. Oh. Donc, mais c'est ça. C'est violent. Ils sont au sandwich. Belaval. Belaval. Ils sont au sandwich. Qui campait? Oui. Atrichwich. 65. Atrichwich. Oui, Suzanne. Oui, chérie. Tu sais là où on se trouve. Nous sommes la quartier universitaire. Et nous sommes aussi devenus aussi subitement les étudiants, les gars. Ce n'est pas facile l'investigation. Hein. On se retrouve subito, subito, comme des étudiants. La famille, en fait, pour ceux qui sont, pour ceux qui ont l'œil, vous allez remarquer qu'en Occident, on mange, en fait, dans les pays développés, on mange en grande majorité que de la malbouffe. Regardez, la malbouffe. Le pain, c'est la malbouffe. Le saucisson qui est à l'intérieur, y compris. La seule chose qui peut avoir l'air de quelque chose dedans, c'est la feuille de salade ici et le. Et la tomate, mais c'est en très fine, en très petite quantité en fait, avec ce qu'on boit là. C'est trop bon à manger, mais alors. Mais vous qui êtes supposément animé, ça veut dire que vous, rien n'a fuité, aucune bonne information, ouais. Rien. Là, en vrai dire, le chef. Mm-hmm, oui, le chef. Nous avons des présidents pour les universités. Ah, l'association. Oui, oui, oui. Tout à fait. On fait une réunion, on réunit pour la vie. Mm-hmm. Quelqu'un a fait ça. Mm-hmm. Oui. Quelqu'un, sauf seulement les gens qui ont fait manifester ici, mm-hmm. petite marche. Oui. Mm-hmm. Ils ont fini. Ils ont oublié tout. Mm-hmm. On reste comme ça, chacun semblant. Mm-hmm. En vrai dire, on va se réunir ici à Usengil. Mm-hmm. On parle réellement. Exactement. On n'entre pas à l'université ici. Mm-hmm. C'est ça, là-bas, c'est seulement. Oui, les choses, ça ne. À l'université, là, qui va nous écouter même ça. L'université, ils ont dit, vous avez. Ils ont bloqué la route et c'est tout. Vous n'avez pas le droit de faire la marche juste dans l'université. C'est pas. Ça aurait quel impact. C'est ça, c'est pas la peine. Pour que les Africains restent dedans dans l'université seulement. Non, ça n'aura pas d'impact. C'est bien normal. Et les Camerounais restent, ils disent, ah, c'est pas nous. Les Tchadiens restent là, c'est pas notre pays. Et donc, parmi ces marchés-là, il y a eu des violences, on a arrêté des compatriotes. Non, non. Il n'y a eu aucun problème. Parce que les gens sont sur les réseaux sociaux, ils disent qu'il y a eu une marche à Istanbul auquel on est venu gazer les gens. Le gars de lacrymogène. Non, non. Ils n'ont même pas laissé les gens sortir de l'université. Les gendarmes sont là, ils ont bloqué. Et le site même, vous avez vu une caméra qui l'a filmé, elle était en train de courir. De courir seul dans la caméra. Non, ça là. Ah, vous n'avez pas vu. D'accord. Ok. D'accord, non, merci beaucoup d'avoir regardé. On a regardé seulement les audios. Oui, même nous aussi. Ok, merci beaucoup. Bonne journée, ok. Ma famille, les investigations continuent. Istanbul, c'est leur Karabük. Je ne sais pas si à l'image ça se voit clair, mais je crois que c'est inversé. La famille, on vous revient avec tous les détails. On continue de les réunir. Oui, sur les réseaux sociaux, on dit qu'on vous a bombardé avec les gars lacrymogènes. Oui, que les tuques vous ont. Tu peux te payer la connexion quand même. Oui, pourquoi pas. Ça sera avec plaisir qu'on va. Moi, ça ne me dérange pas. Je connais la galère des étudiants, il sait que c'est pas facile. Donc c'est entre nous. Elle est étudiante aussi, si ça ne te dérange pas. C'est la moindre des choses, mon frère. Je te donne d'abord en tant que frère. Non, je te donne d'abord en tant que frère, c'est vraiment. Quand je veux le faire, je pourrais seulement te tirer derrière. On gère ça. C'est la moindre des choses. Je connais les galères que nous on vit quand on n'est pas dans notre pays. Ça fait 11 ans on est en Turquie. Hein. Ah, c'est bon. Oui. On a un pays, les logements, on a des logements ici à Istanbul. Je vais souvent à Istanbul. Donc, c'est juste que beaucoup de gens arrivent en Turquie, ils sont mal orientés.